Alors, je vais mettre le son. Tout ce qu'on a vu, on peut le faire du back-end, parce que bon, c'était parfois moi je préfère, mais on peut aussi le faire depuis le front-end, si c'est une modification comme ça ponctuelle. Donc, pareil, connexion. Donc là, j'étais déjà connecté, je vais faire la manip comme si c'était en vrai. Donc, déconnexion. Donc après, côté cuisine 2 qui viendra côté cuisine normale, j'ai par exemple carte de Pixel modifiée. Donc voilà, je clique toujours sur cette petite icône. Il y a une petite manip, je ne sais pas si je voulais préciser, mais c'est vrai que ici, par exemple, la fenêtre n'est pas très grande, c'est un peu casse-pied, on est comme ça. Bon. Ce qu'on peut faire, c'est cliquer sur cette icône-là et on est plein écran. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile à manipuler. Alors, en effet, ça apparaîtra pas évidemment, mais c'est dans... Donc on peut très bien, donc facilement, plus facilement rajouter nouveau plat. Et puis pareil, la même manip, on va ici et puis on met ligne 1. Cet affichage de plein écran est assez pratique. Pour revenir, bah, il suffit de cliquer et on fait, n'oubliez pas évidemment de faire sauvegarder. Voilà pour cette petite précision sur la gestion en front-end. Alors c'est vrai que pour des modifs ponctuels, on peut très bien travailler sur le front-end. Là, comme on avait fait toute la recréation des articles, c'est plus facile back-end, mais c'est vrai que par le front-end, c'est très bien aussi.